Grâce à son élégance, sa culture, sa beauté et son style vestimentaire, Jackie Kennedy est devenue une véritable icône de la mode dans les années 1960. En effet, la femme du 35e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, cultivait son apparence et notamment sa silhouette afin d'être toujours présentable. Pourtant, derrière son apparence parfaite, la première dame des États-Unis cachait une véritable obsession pour son corps et n'hésitait pas à s'infliger un régime drastique. Dans le livre Jackie Girl, My Life with the Kennedy Family, paru en mai 2017, Kathy McKeon avait fait plusieurs révélations sur la vie privée de Jackie Kennedy. En effet, celle qu'il a assistée pendant 13 ans avait révélé qu'elle contrôlait son alimentation et ne mangeait que 600 calories par jour. Kathy McKeon, il nous est arrivé de nous rentrer dedans la nuit, dans le garde-manger. Si Jackie Kennedy avait un régime aussi strict, si est-il parce qu'elle était sujette à de violentes crises de boulimie. Kathy McKeon avait d'ailleurs déclaré qu'elle l'avait retrouvée à plusieurs reprises dans les placards de la Maison Blanche. Si elle allait dans la cuisine et voyait un brownie ou des cookies, elle l'attrapait et le mangeait à même le plat, avait-elle écrit. Lors de ces crises, la mère de Caroline et John Kennedy avaient même développé des stratagèmes pour ne pas être repérés. Son ancienne gouvernante avait témoigné, « Il nous est arrivé de nous rentrer dedans, la nuit, dans le garde-manger. » Elle n'allumait pas la lumière, parce qu'elle ne voulait pas qu'on la voie là-dedans. Elle avait ensuite poursuivi, « Je l'ai surprise en train de manger de la glace à même le pot avec une grosse cuillère. » Pas une petite, non, une énorme. Un moment qui avait particulièrement marqué Kathy McKeon qui avait expliqué que d'ordinaire, Jackie Kennedy n'avait pas beaucoup d'appétit. Loading Widget.